Nous toutes seules. Oui, nous ferions bien de nous dépêcher. Le trône de l'empereur nous attend. Grâce à son pouvoir, nous deviendrons invincibles. Mais est-ce qu'on est certaine que ce n'est pas dangereux? Comment ça dangereux? Si les Wings découvrent que nous sommes de retour. Quoi? Elles? Je n'ai aucune inquiétude à leur sujet. Pourquoi ça? Les êtres humains polluent les océans à travers la planète et cela fragilise durablement l'équilibre de l'océan infini. Mais oui, bien sûr! L'océan infini est relié à tous les océans du monde Magix. C'est l'occasion rêvée de tirer profit de l'irresponsabilité des humains. Le trône de l'océan infini est toujours inoccupé et la pollution déséquilibre complètement les océans. Il n'y a pas de meilleur moment pour devenir impératrice. Mais les Wings ne pourront rien contre nous cette fois. Bien installés sur le trône, nous absorberons son pouvoir et nous deviendrons impératrices. À condition que Tritanus ne vienne pas s'en mêler. Tritanus ne sera pas un problème, je vous le garantis. Il est prisonnier dans les oubliettes et n'en sortira jamais. Le trône est à nous. Il est temps d'y prendre place. L'océan tout entier nous appartient. Oh non, je suis fichue. Stella, qu'est-ce qui t'arrive encore? Dépêche-toi. Les nouvelles élèves doivent certainement nous attendre. Nous avons déjà plus d'une minute, 35 secondes et 40 centièmes de retard. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien. Connaissant Stella, je parierais qu'elle est à la recherche de sa nouvelle paire de lunettes tendance. Ne dis pas de bêtises, voyons. Stella ne porte pas de lunettes. Drôle. Rien, Stella. C'est juste qu'il n'y en a pas deux comme toi. Que voulez-vous? Je ne peux pas m'empêcher d'être naturellement élégante. Être naturellement élégante signifie-t-il être systématiquement en retard parce que vos élèves vous attendent naturellement? On arrive, madame. Elle était méchante avec nous quand nous étions élèves. Et maintenant que nous avons notre diplôme, elle est encore pire. Griselda a une pierre à la place du cœur. Elle est dure et froide. Je vous souhaite la bienvenue à l'école des fées d'Alphéa. Pour vous aider à choisir un cours, les filles du Wings Club vont vous saluer à leur façon. Très bien, il est temps de commencer. Stella, baisse la lumière. C'est comme si c'était fait. C'est
C'est sous les feux des projecteurs que je suis la plus à l'aise. Stella, tu exagères. Ce n'est pas un défilé de mode. Non, mais une chose est sûre, nous avons maintenant toute leur attention. Bonjour à toutes. Nous sommes les Winx et nous allons vous montrer ce qui vous attend dans notre école. Parfait. Tekna, si tu veux bien commencer. Démarrons avec quelque chose de simple. Alors, voyons voir. Que diriez-vous d'un hologramme? Chacune d'entre vous doit découvrir pourquoi elle est venue jusqu'à nous. Il suffit de trouver la magie qui est en vous. C'est peut-être une passion pour la musique. Ou un amour inconditionnel pour la nature. Vous allez devoir découvrir le pouvoir qui est enfoui en chacune de vous. Et qui vous fera briller de mille feux. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes des fées. Vous possédez votre propre magie, vous n'avez qu'à la découvrir. Au revoir. Hey. Désolée les filles, mais il faut que j'y aille. Je suis sûre que Stella se fera un plaisir de vous conseiller. Ok. Je vous conseille de mettre vos lunettes, les filles, avant qu'on entame la leçon sur les sorts de lumière incandescente. Vous devez savoir que la lumière est un élément... Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ces lunettes? On dirait que vous sortez toutes de l'atelier de fer à souder. Améliorons ça! Et voilà, c'est tout de même beaucoup mieux, les filles. C'est dommage de ne pas pouvoir rester avec les filles, n'est-ce pas, Kiko? Mais je suis impatiente, j'attends ce moment depuis si longtemps. Et toi, tu es prêt à aller à Gardenia? Oui, toi. Une journée entière, rien qu'avec Sky, youpi! Ces téléphones portables les rendent fous. Le trône. Notre plan ne peut pas échouer cette fois. Vous avez des doutes? Vous pouvez toujours renoncer, vous savez. Nous n'avons jamais dit ça. Disons que tes plans tournent parfois un peu court. Nous sommes pourtant arrivés jusqu'ici. C'est vrai, mais... Mais... Tout comme je l'avais prédit. Hey, il semble en effet que tu aies eu une bonne idée pour une fois. Le trône semble sans surveillance. Le pouvoir absolu. Et il est à nous pour de bon. Ça suffit. Je vais maintenant m'asseoir sur ce trône et devenir l'impératrice de l'océan infini. Attends une minute. Où est-ce qu'il est écrit que c'est à toi de monter sur ce trône? Absolument, ce n'est écrit nulle part. Oh. Puisque vous cherchez la petite bête, mes sœurs, il n'y a qu'un seul moyen de résoudre ce malentendu. Un moyen imparable. De nos trois, j'ai toujours été la plus forte. Il est tout naturel que je sois l'impératrice. Une minute, il devrait bouger. Mais tu vas réagir, ta pierre débile? Il semblerait que le trône ne t'aime pas beaucoup, petite sœur. Bouge de là, ce trône me revient. Pourquoi il sera à toi? Ça te pose un problème. Et comment? Parce que l'impératrice, ce sera moi. C'est ce qu'on va voir. Au toit de mon chemin. Pose pas tes fesses sur mon trône. Darcy? Stormy? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai. Plus d'une demi-heure de retard. Et aucun appel, ni message. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ne t'inquiète pas, ma douce princesse. Sky! Mais où est-ce que tu étais passée?
Excuse-moi, je sais, je suis très en retard, mais je suis resté bloqué 2 heures dans un ascenseur. Oh, c'est tout ce que tu as trouvé comme excuse. Je suis désolé. Ces trucs tombent toujours en panne et... Votre Altesse est-elle en train de me dire qu'elle n'a plus de temps à me consacrer? Oh, je t'en prie. Bloom, tu sais très bien que mon titre de roi n'est qu'honorifique. Mais il m'arrive d'avoir des devoirs que je ne peux pas ignorer. Je te promets que nous ne serons plus dérangés aujourd'hui. Tout se passera comme prévu. Rien que toi et moi, pendant toute une journée. Pas de roi ni de princesse, rien que toi et moi. Deux amoureux ordinaires, profitant d'une journée ordinaire. Comme tout le monde? Comme tout le monde. Le top. Promis, Bloom, rien n'ira de travers aujourd'hui. C'était quoi, ça? Darcy? Stormy? On arrive! Le trône, que s'est-il passé? C'est sa faute à elle! Mais non, pas du tout! Ah oh, et puis on s'en fiche. Mais qu'est-ce que c'est? Vortex de glace! Idiotes, vous n'arriverez à rien en procédant de la sorte. J'imagine qu'elle s'adresse à toi. Comment vous nous avez appelés? Dégagez de ce trône et vite, il est à nous. Oh, vraiment? En quel honneur? Êtes-vous les impératrices de l'océan infini? Non, pas encore, mais ce sera le cas une fois que nous nous serons débarrassés de vous. Et ce n'est qu'à cette condition que le pouvoir absolu nous reviendra. C'est donc le pouvoir que vous voulez. Pour en faire quoi? Nous n'avons pas à vous le dire, ça ne vous regarde pas que je sache. Mais ça... Oh, je ne vous le conseille pas. Oh, mon sang! Oh. Oh. Vous ne perdez rien pour attendre! Je n'arrive pas! C'est pas la peine, elle est vraiment trop forte. Mais qui êtes-vous, au fait? Enfin une question pertinente. Je m'appelle Politéa. Politéa? Mais... c'est impossible, nous t'avons battue. Vous ne m'avez pas battue. Bien au contraire. J'étais prisonnière d'une misérable enveloppe à cause de la malédiction de Sirenix. Et lorsque nous nous sommes battus, vous avez absorbé mon pouvoir en chassant le mal. Je ne pouvais pas revenir. En tout cas, pas tout de suite. J'étais encore trop faible. Et puis, ces idiots d'humains se sont mis à polluer les océans. Ils ont rompu l'équilibre. Cet équilibre qui devait me donner la force de revenir. Tu nous saoules avec toutes tes histoires. Allez, descends de ce trône! Pourquoi donc? Ça ne marchera pas. Vous l'avez bien vu. Elle a raison, nous avons fait tout ça pour rien. Je sais, mais c'est totalement injuste. Le trône de l'empereur ne réagira qu'avec Tritanus. Oh. Hein? Mais Tritanus a été envoyé aux oubliettes pour toujours. Peut-être, mais il reste le seul véritable empereur. Quoi? S'asseoir sur le trône est donc totalement inutile. Exactement. Mais peut-être n'avez-vous pas besoin d'un sceptre et d'un trône. Ce que vous recherchez, c'est le pouvoir. Et le véritable pouvoir peut revêtir de nombreuses formes. Existe-t-il un pouvoir qui soit supérieur à celui de l'empereur? Peut-être bien, mais comme toute forme d'information importante, elle doit se monnayer. C'est pas vrai, tu as vu ce que j'ai vu? Oh oui, Stormy, notre sœur lui a fait un petit sourire par en dessous, du genre méchante sorcière assoiffée de pouvoir. Je redoutais précisément que tu aies vu la même chose que moi. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Manger une bonne glace. Tu vois, je t'avais bien dit que nous passerions une bonne journée sans accroc. Oui. Mission crème glacée accomplie. Mmh.
Alors, est-ce que ma princesse désire autre chose? Sky, s'il te plaît, arrête de m'appeler princesse. Je ne vois pas où est le problème. Tu es une princesse. Oui, mais je suis en vacances aujourd'hui. Hé, hey, regarde, on dirait que ce petit chien t'aime beaucoup. Hein? Oh. Il est vraiment très affectueux. Oh. Et Glouton? Hey. Il n'y a plus qu'une chose à faire, retourner chez le marchand de glace. Bon, bah, je vais en reprendre une. Alors, est-ce qu'elle est bonne? Bon, bah, je vais en reprendre une. Il est pour qui ce bon nanos? Va chercher! Viens! Là-haut dans le ciel, toi seul as de l'importance. Tu es l'étoile sous le soleil. Tu me touches, tu m'émerveilles. Mon cœur brûle d'amour fou pour toi. Tu m'enflammes chaque fois que tu me prends dans tes bras. Avec toi, le bonheur chaque jour me sourit. Je me sens tellement bien puisque tu es dans ma vie. Puisque mon cœur t'appartient, je veux dire au monde entier que je t'aime à jamais. Eh bien, dis-moi, la journée a été bien remplie? Tu as passé un bon moment? Oui, sauf que je suis quitte pour retourner m'acheter une glace. Tu vois bien que tes pouvoirs magiques fonctionnent comme il faut. Ah oui? De quel pouvoir magique tu parles? Quel que soit le problème rencontré, tu t'arranges toujours pour me faire rire, Sky. Tu sais, Blue, je t'aime. Bon, alors on peut savoir ce que tu attends? Ne nous tiens pas en haleine. Existe-t-il un moyen de devenir plus puissant que Tritanus? Laissez-moi vous conter l'histoire de cette perle magique perdue il y a longtemps de cela et qui permettait à l'océan infini de conserver son équilibre. Si cet équilibre est rompu, celui qui trouve la perle deviendra très puissant dans la dimension magique. Non, c'est vrai. Et où peut-on trouver cette perle magique? Comment pourrais-je le savoir? Seul l'empereur est capable de savoir où elle est. Nous pouvons dire adieu à notre destinée d'impératrice. Nous aurions donc fait tout ça pour rien? Quelle déception! J'en viens parfois à me demander pourquoi je mets mon réveil le matin. Polythéa, tu peux être plus claire? Comment allons-nous pouvoir mettre la main sur cette perle? C'est très simple. Vous allez devoir libérer Tritanus. Ah, ce n'est que ça! Très simple, en effet! On n'est pas aussi bête qu'on en a l'air. Ah, chère petite sorcière, Tritanus sera malléable comme de la pâte à modeler. Il suffira de trouver les mots justes. Persuadez-le que vous êtes ses alliés et il vous sera aussi fidèle qu'un petit chien. Et j'imagine que Tritanus ne connaît pas ton existence. Disons que, si vous tenez votre langue, ce n'est pas moi qui lui en parlerai. Ça me plaît. Je peux vous guider jusqu'à la personne qui garde le secret de la perle. Celle qui sait où elle est cachée et qui peut la retrouver. Tout cela est extrêmement tentant, mais quel est l'intérêt pour toi? Ma liberté. Il n'y a rien de plus précieux. Je suis prisonnière. Non, mais regardez-moi, on dirait un fantôme. Donc, tu saurais comment libérer Tritanus de ses oubliettes? C'est un sort maléfique très puissant. Et seul un jeune roi à la force vitale hors du commun pourra supporter la malédiction que nous allons lui jeter. J'ai bien entendu, jeune roi. Nous connaissons justement quelqu'un qui pourrait faire l'affaire, n'est-ce pas, les filles? Ah, les choses sérieuses peuvent commencer. J'aimerais que chaque jour ressemble à celui-ci, c'est merveilleux. Oui. Qu'est-ce qui se passe, Sky? On dirait que quelqu'un lui a jeté un sort. Eh bien, tu es plus intelligente que je ne le pensais, petite fée. Les Trix,
C'est bien dommage que ça ne te serve pas à grand chose. Ça n'a pas d'importance, parce qu'aujourd'hui c'est ton jour de chance. C'est pas pour toi que nous sommes ici. Pour qui alors? Taisez-vous, vous parlez trop. Faisons ce pourquoi nous sommes là. Ne me dis pas que tu as tout donné. Bloom, il ne faut pas les laisser nous encercler. Mesure un peu ta force, on doit le ramener en un seul morceau. Sky! Bloom! Au revoir. Allez les filles, à vous de jouer. Non! Sky, attention! Sky, tiens bon, j'arrive! C'est à votre tour de trembler. N'ayez pas peur, les filles, elle ne fait pas le poids. Nous sommes trois contre une. Brûlure de lave. Ça ne fait plus que deux contre une. Stormy, bouge-toi. Tu dois réagir, Sky, montre-leur ce que tu vaux. Ce n'était qu'un petit échauffement. Alors laisse-moi te rafraîchir. Mais où sont-ils? Darcy, j'arrive. Nous devons les retrouver. Ils ne doivent pas être loin. Bloom, tu ne vas tout de même pas laisser Kiko entre nos mains, n'est-ce pas? Allons, je t'en prie, Bloom. Si tu nous livres Sky, je te promets que nous essaierons de ne pas froisser tes jolies ailes. Je te trouve très branché. Tu vas nous le payer. Brûlure de lave! Laisse-le-moi, petite sœur. Mais avec joie. Voyons si tu es prêt à encaisser ça, champion. Tentacule sombre! Tu ne tiendras pas longtemps. Abandonne! Pas question! Les filles, nous perdons du temps! Vous croyez que je vais vous laisser emmener Sky comme ça? Recule-toi un peu, Darcy, je vais m'occuper de lui! Facile! Trop facile! Remue-toi, on n'est pas là pour rigoler! Tu ne mourras pas de cette façon, sorcière! Ah non? Alors procédons autrement, un bon lapin rôti, ça te tente? Chico, non! Sky! Oh non! Et maintenant, il est temps d'en finir avec elle. Une bonne fois pour toutes. Je vous conseille de rester où vous êtes! Flamme dansante! Stormy, maintenant! Parfait, récupérons notre beau souverain et fichons le camp d'ici. L'océan infini nous attend. Sky! Polythea, nous sommes de retour. Et avec nous, Sky d'Héraclion, comme promis. C'est excellent. Dépêchons-nous, plus de temps à perdre. Les Wings ne vont pas tarder. Lorsque nous invoquerons Tritanus, l'empereur condamnera alors les portails. Et je vous promets que les Wings ne seront plus jamais un problème. Attachez Sky sur ce trône. Bien. Et maintenant... Et voilà, c'est fait. Ah, Tritanus. Oh, bien vivant. Vivant, oui. En tout cas, plus que Sky. D'accord, mais comment va-t-on faire pour le réveiller? Un peu de patience. Rappelez-vous, Tritanus ne doit pas savoir que je suis derrière tout ça. Vous allez devoir lui suggérer de passer à l'étape suivante. Comme une marionnette, ça va être amusant de tirer les ficelles. Tant mieux. Nous devons trouver quelque chose qui l'aidera à revenir parmi nous. Quelque chose comme... son trident.
Nous pouvons essayer, mais nous allons devoir combiner tous nos pouvoirs. Tempête de neige! Sort de magie noire! Éclair foudroyant! Quoi? Ça ne marche pas? Une seconde. Et rappelez-vous bien de notre plan. Mon empereur. Toi, où suis-je? Le trône, l'océan infini? Oui, mon empereur. Vous êtes bien dans l'océan infini et le trône vous attend. Vous avez donc réussi à me tirer de ces maudites oubliettes? Oui, bien sûr, nous... Pour vous libérer, on a ressorti les anciens maléfices, les vieilles potions magiques et d'un coup, paf, vous voilà. Quelle joie immense, monseigneur. Et maintenant que vous êtes là... Vient le temps de la vengeance. Commençons donc avec cette idiote de Bloom. Ah, mais oui, cette Bloom. Je sais que nous nous sommes affrontés, mais je ne sais plus pourquoi. Nous lui avons déjà donné une bonne leçon. Nous avons kidnappé son amoureuse Sky et nous nous sommes servis de lui pour vous délivrer. Ah, c'est bien fait pour elle. Voici votre nouvelle fourche. Enfin, je veux dire, votre nouveau trident, monseigneur. Ah. Alors, ne sommes-nous pas vos plus dévoués sujets, monseigneur? Allez-y doucement. Ce séjour aux oubliettes a dû vous affaiblir. Le trône me rendra toute ma force. Aidez-moi. Bon, d'accord. Monseigneur, je sais que vous êtes fatigué, mais il faut agir très vite. Nous devons refermer le portail avant que quelqu'un ne se rende compte que nous sommes là. Et vous n'êtes toujours pas en état de tenir tête aux Winx. Ces petites fées ne sont pas de taille à rivaliser avec moi. Oh non, je me souviens maintenant. Et voilà, j'ai condamné le portail. Je vais pouvoir me reposer. Reposez-vous, monseigneur. Reprenez donc des forces, il le faut, et je vous raconterai l'histoire de cette nymphe perfide qui a privé son empereur d'un pouvoir bien supérieur à l'océan infini. L'objet le plus puissant jamais créé. Oui, cette même nymphe qui a comploté contre vous et qui garde la magie ancienne des abysses dans un endroit tenu secret. Tu es sérieuse, mais de quel objet parles-tu ? Les informations que nous avons glanées sont incomplètes et confuses, mais cet objet va vous rendre totalement invincible. C'est la perle. La perle a été perdue il y a très longtemps, et personne ne sait où elle se trouve. C'est faux. La nymphe, encore elle, se considère comme le défenseur de l'océan infini. Elle ose commander. Alors que ce pouvoir vous revient, son nom est... Omnia. Exactement, Omnia. Si elle sait vraiment où se trouve cette perle... Elle doit me la rendre, et si elle refuse, je la ferai parler d'une façon ou d'une autre. Vous aurez votre revanche. Personne n'osera s'opposer à vous. Je vais devenir invincible, et mon triomphe sera total. Allons-y, mes amis. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. C'est drôle, j'ai comme une boule à l'estomac. Ah oui, un coquillage avarié? Oh. Les filles. Bloom, mais où es-tu? Bloom, est-ce que je suis soulagée? Tu te réveilles enfin? Il suffisait de me demander mon diagnostic. Ces signes vitaux étaient tous dans le vert. Tu penses que tu peux t'asseoir, Bloom? Oui. Ça devrait aller. Mais poussez-vous! C'est moi, sa meilleure amie! Alors, Oust, laissez-moi voir comment elle va! Stella! Hey. Oh. Attention! Ah. Ah. Ça va? Tu es sûre que ça va? J'étais tellement inquiète quand je t'ai vue là, allongée sur le sol. C'était horrible! C'était... Tout va très bien, je t'assure. Plus jamais tu me refais un coup comme ça, tu entends? Plus jamais! D'accord? Je suis vraiment de retour à Alphéa. Comment est-ce possible, raconter? Nous sommes allés te chercher parce qu'il y a un problème avec l'océan infini. Nous savions que tu étais à Gardenia avec Sky, mais lorsque nous avons débarqué, nous t'avons trouvé là, inconsciente, allongée sur le sol. C'est encore un coup des tricks, pas vrai? Qu'ont-elles fait de Sky? Où est-il? Oh non, ça y est, maintenant je me souviens. Les tricks ont kidnappé Sky, nous devons...
Il faut que tu te reposes. Tu es loin d'avoir récupéré complètement. Dis-nous exactement ce qui s'est passé, Bloom. Nous allons trouver une solution, tu verras. Les Trix sont apparues devant nous d'un seul coup. Elles étaient beaucoup trop fortes et toutes seules, je n'ai rien pu faire. Elles ont dit qu'elles avaient besoin de Sky. Mes souvenirs sont vagues, tout est si confus. Oh, ces trois sorcières! Alors là, si je les attrape! Nous devons nous rendre dans l'océan infini et sauver Sky. Allez, donnez-moi un coup de main. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe, les filles? Vous ne me dites pas tout. Soyez prudentes, ils ont refermé le portail. Il n'y a aucun moyen d'entrer ou de sortir de l'océan infini. Je suis désolée, Bloom, vraiment désolée. Ceci est le seul message que Omnia a réussi à nous faire parvenir. Ensuite, la communication a été interrompue et depuis plus rien. Ça ne peut pas se terminer de cette façon. Il doit y avoir un moyen. C'est vrai quoi, il y a toujours un moyen. Allez, Tecna, réfléchis. Tu as toujours réponse à tout, d'habitude. Continue à tapoter sur ta petite calculette et il finira bien par en sortir quelque chose. J'ai déjà essayé, mais sans aucun succès. On dirait bien que quelqu'un a interdit l'accès à l'océan infini. Madame Faragonda, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il reste peut-être un moyen pour nous d'accéder à l'océan infini. Vous ne pensez tout de même pas au... Si, si! Et je suis d'accord avec elle. Nous allons mettre la main sur ces trois sœurs maléfiques et leur donner une bonne leçon. Peu importe comment on s'y prend, et même si c'est très dangereux, je me porte volontaire. Si les Trix ont cherché à condamner l'ensemble des portails qui mènent à l'océan infini, et j'en mettrai ma main à couper, il y en a un qu'ils ont probablement oublié de verrouiller. S'il vous plaît, dites-nous lequel. Le suspense est insupportable. Le portail des oubliettes. Personne ne s'est jamais risqué dans cette voie, parce que personne n'est jamais parvenu à trouver le moyen de s'échapper de cette terrifiante dimension. Je peux essayer d'approfondir mes recherches sur la source d'énergie qui approvisionne ces dimensions. Cet endroit n'est qu'une gigantesque prison. Une fois à l'intérieur, il sera très difficile de pouvoir en ressortir. J'y vais quand même. Et je ne demande à personne de venir avec moi. Je sais bien que nous pourrions rester prisonnières là-bas pour le reste de notre vie. Et je ne veux pas que vous preniez ce risque. Mais moi, il faut que j'y aille. Même si je n'ai qu'une toute petite chance de sauver Sky, je dois la tenter. Tu crois sincèrement que tu vas réussir à te débarrasser de nous comme ça? Je vais venir avec toi. Nous venons toutes avec toi. Et tu ne peux pas refuser. Les Trix ne vont pas savoir ce qui leur arrive. Je les plaindrai presque. Il faut que nous partions. Si mes calculs sont bons, c'est confirmé. Le portail est encore grand ouvert. Nous sommes prêtes à partir, Madame Faragonda. Ce n'est vraiment pas évident de le stabiliser. Vu d'ici, c'est déjà drôlement effrayant. Qu'est-ce que ce sera quand on sera de l'autre côté? Bloom, tu es sûre que ça va marcher? Oui, Madame Faragonda, j'en suis sûre. Prête, les filles? Je suis prête, moi aussi. Pareil. C'est parti! Bloom! Fais de la flamme du dragon!
descend. 3. Wouhou! De toujours faire les bons choix, ma petite Bloom. Car après tout, si Sky s'est fait kidnapper, c'est bien à cause de toi. Non ! S'il vous plaît, aidez-moi ! Tu ne sers à rien ! Tu ne vaux rien ! Oh, ce n'est pas vrai, non ! Mes amis ! Sky ! Tu n'as vraiment rien de spécial ! Ta magie n'est rien d'autre qu'une simple illusion. Non ! Tout ça, c'est des mensonges ! Il y avait quelque chose d'important. Mais je ne m'en souviens plus. Je sais que les choses n'auraient pas dû se passer de cette façon. Repose-toi maintenant et oublie tes amis. Oublie ta magie. Et oublie Sky. Non. 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 Quelqu'un peut me venir en aide. Mais qui est... qui est Sky? Sky n'existe pas. Repose-toi maintenant. Non, Sky, le kidnapping, les tricks, et tout ça, cet endroit, mais oui, ce sont les oubliettes. Il n'y a personne ici. Il faut que je retrouve les autres et que je brise le maléfice. Ah! Mais où suis-je? Espérons que les filles soient déjà réveillées. Quel cauchemar! Tu dois sortir d'ici, plus une minute à perdre. Si je ne rêve pas et que c'est bien toi, tu dois être capable de me dire la couleur de la jupe à fleurs que je portais avec ce petit débardeur échancré pour le repas de vendredi soir. Jaune, je crois. Ah, Bloom! Je ne risque pas d'oublier ta tenue. Mais tu peux m'expliquer où on est exactement? Ce sont les oubliettes. Mais je suis sûre qu'à nous deux, nous allons être capables de sortir de cette prison. Ok, nous allons d'abord commencer par réveiller les autres. Oui, je sais. Je suis passée par là. Tu crois que si on devait rester bloqué ici toute notre vie, on nous accorderait au moins un petit massage? Ou mieux? Oui, beaucoup mieux. Une manucure. Luisa, réveille-toi. Le concert, il commence à quelle heure? Un bain de boue, c'est sympa aussi. Plus tard, Stella, plus tard. Il faut que tu m'aides à réveiller Tecna et Layla immédiatement. Stella, mais... où on est? J'étais en train de rêver et tout à coup, j'ai cru entendre ta voix. Il me semble que tu parlais de massage. Non, tu sais quoi? J'ai fait exactement le même rêve, mais j'étais réveillée. Flora? Mais quel est cet endroit? Oh, ne me dis pas que ce sont les oubliettes. Qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes sur le plateau d'un téléachat. Mais non, elle te fait marcher. Tu penses bien que si on était sur le plateau d'un téléachat, je ne serais pas habillée comme ça. Je suis contente de voir que tu as gardé ton sens de l'humour. Super, on est toutes réunies. Bon, et maintenant, on fait quoi pour sortir d'ici? L'une d'entre vous connaît un moyen? Donc, si je devais résumer la situation, cet endroit a le pouvoir de nous diviser. Il nous vide de tous nos souvenirs et de tout ce que nous sommes. Mais nous sommes de nouveau ensemble, la partie n'est pas encore perdue. Oui, tu l'as dit, les filles, il ne nous reste plus qu'à ouvrir le portail. Oui, mais la difficulté, c'est de le garder ouvert, c'est très instable. C'est pourtant notre seul espoir. Les Wings! Convergence! Oui, convergence! Tenez bon, les filles, nous y sommes presque.
les Wings ont bien reçu notre message. Elles seules peuvent nous aider. Hé ! Regardez là-bas, il y a quelqu'un qui arrive. Oh non ! Vite, venez vous cacher derrière moi. Amis. Tritanus, c'est impossible. Comment as-tu fait pour t'échapper de ces oubliettes? Ça ne m'étonne pas de vous, maudite sorcière. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous savez qui vous avez libéré? Bien sûr qu'elles le savent. Elles sont fidèles à leur empereur. Je ne peux pas en dire autant de toi, traîtresse. J'ignore quel plan machiavélique vous mijotez, mais ça ne marchera pas. Et pour toi, ça se terminera exactement comme la dernière fois. C'est bien pour ça que je suis venu te chercher. Ne compte pas sur moi pour t'aider, espèce de monstre. Comment m'as-tu appelé? Espèce de monstre, tu es sourd? Je vais te... Oh, ça suffit. Nous ne sommes pas venus pour bavarder. Éclair maléfique! Omnia, rends-toi! Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de l'empereur misérable. Qu'est-ce que tu attends de moi, Tritanus? Tu as une info dont j'ai besoin. Où as-tu caché la perle des abysses? La perle a disparu il y a bien longtemps. Prends garde, nymphe. Je sais de façon certaine que c'est toi qui l'as cachée. Alors je te le demande une dernière fois. Où as-tu caché la perle? Dingue! Chaque fois que nous visitons l'océan infini, le pouvoir Sirenix donne à tes cheveux des reflets fabuleux. Qu'est-ce que ça te va bien, je trouve? Tu ferais mieux de te concentrer sur notre mission, Stella. Toi aussi, ça te va bien. Hé, hey, regardez! Voilà le trône! La convergence a fonctionné! Ouais, on est trop fortes! Je ressens des ondes extrêmement négatives. D'où ça peut venir? Où sont les Trix? Je ne vois personne dans le coin! Il y a quelque chose qui cloche. Je ne vois pas Sky non plus. Approchons-nous. C'est si calme. Dites, c'est charmant comme endroit. Bloom! Sky! Il est encore en vie! Sky! Bloom, tu vas bien? Je me faisais tellement de soucis à ton sujet. Tu te faisais du souci pour moi? C'est toi qui es en danger. Est-ce que tu souffres? Je vais bien. Tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. Les Trix m'ont enfermé dans ce pilier pour invoquer Tritanus et le sortir des oubliettes. Quand est-ce que les choses sérieuses vont commencer? Ne t'inquiète pas. On va te sortir d'ici. Allez, on se bouge, les filles. Mettons ce truc par terre. Et pour ça, on doit s'y mettre toutes ensemble. Non, il y a quelque chose de bizarre. C'est bien ce que je pensais, il ne s'agit pas d'une prison ordinaire. L'énergie qui s'en dégage semble être connectée avec la force vitale de Sky. Si on modifie la structure physique du trône, ce serait catastrophique. Tu peux répéter en français cette fois? Elle veut dire que ça ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de le libérer, on condamnerait Sky pour toujours. Bloom! Ne t'occupe pas de moi, il faut partir d'ici et tout de suite. Non. Vous êtes toutes en danger. Les Trix, elles se sont alliées avec... Attention! Bienvenue, petite fée. Qui êtes-vous? Et où sont les Trix? Est-ce que quelqu'un peut dire à cette baudruche à tentacules qu'elle n'est plus du tout à la mode? Je ne sais
sais pas qui vous êtes, mais si vous êtes du côté des Trix, sachez que je ferai tout mon possible pour sauver Sky. Ah oui, le jeune roi. Je sais qu'il compte beaucoup pour toi, et je serais vraiment très contente de te le rendre sain et sauf. Mais ça, tu vois, c'est hors de question. J'ai besoin de lui là où il est. Pourquoi les sorcières ont toujours la sale manie de kidnapper les petits copains? Vous n'avez rien d'autre à faire? C'est tout de même incroyable! Je t'ai dit de le libérer! Faites bien attention, petite fée. L'une d'entre vous pourrait se blesser sérieusement à ce petit jeu-là. Oh, Stella! Stella, ça va? Bloom, Politéa est trop puissante, même pour toi. Il faut que nous l'affrontions toutes ensemble. Oui, ensemble. Et on va voir si elle arrive à s'en tirer contre nous. Elle va regretter d'avoir provoqué les Winx. D'accord, les Winx, je reconnais que vous êtes impressionnantes. Mais ne comptez pas sur moi pour vous pardonner lorsque vous serez à ma merci. J'éviterais peut-être d'être aussi sûre de moi si j'étais vous. Oh. Attention, des mutants! Je ne révélerai jamais où est cachée la perle. Ça n'y comptait pas. J'ai l'impression qu'elle est très sérieuse, mon empereur. Elle est prête à aller jusqu'au bout, elle se battra. Nous allons donc devoir trouver une méthode plus... convaincante. Non, ne leur faites pas de mal. Alors dis-moi ce que je veux savoir. Sinon... Tritanus, est-ce ta parole que tu les libéreras si je te dis ce que tu veux entendre? Bien sûr. Mais si je découvre que tu m'as menti ou que tu m'as caché quelque chose, je reviendrai aussitôt et je vous exterminerai l'une après l'autre. Omnia, non! Il ne faut rien lui dire! Est-ce que ça va durer encore longtemps? Il suffit de nous dire où se trouve cette perle. Et personne ne vous a demandé votre avis, que je sache, sale petite fouine. Je ne vous permets pas de nous appeler comme ça! Et si nous revenions maintenant à des choses plus sérieuses? Vous avez gagné. Je vais tout vous dire. Les filles, accrochez-vous! Attention! Pourquoi les mutants sont toujours aussi laids? Ils ne pourraient pas être beaux pour une fois? Protection virtuelle! Coup de pied sauvage! Ils sont vraiment beaucoup trop nombreux. J'ai une idée! Voix de Sirenix! Ça ne marchera pas. Elle a raison, ça ne marche pas! Concentrons-nous sur Politéa, c'est elle qui contrôle les mutants. Tu t'occupes de la sorcière et nous on se charge de ces affreux mutants. Ok, allons-y. Allez les filles, vous êtes prêtes? Prêtes? Lumière! Diamant de lumière! Libère Sky, maudite sorcière! Pas si vite! Layla, ensemble! Maintenant! Décidément, ça ne vous a pas servi de leçon, on dirait. Oh! Ton petit Sky adoré m'appartient maintenant. Layla! Bloom! Bloom! Tout cet amour, c'est très touchant, mais ça n'intéresse personne. Mon sortilège ne peut être brisé, ni maintenant, ni jamais. Bloom! Va trouver Omnia! Elle est la seule à pouvoir nous aider! Tais-toi! Politéa, arrête! Laisse-le tranquille! Je ne vous laisserai pas contrecarrer mes plans, petite peste de fée! Bloom, ne te soucie pas de moi! Va chercher Omnia, elle est notre seul espoir! Non, je ne peux pas! Sky! Bloom!
pas à sauver Sky de cette façon. On ne sait même pas quel type de sortilège le retient prisonnier. Bloom, fonce, je t'en prie. D'accord, je vais chercher Omnia. Les Wings! Non, vous ne m'échapperez pas. Mutant, à l'attaque! Oh non, regarde! Oh. Voilà pour vous, face de crabe! Non! Non! Je suis prise au piège! Je n'arrive pas à me dégager! Stella! Qu'est-ce qu'elle a? Ça va aller. Je ne suis pas trop décoiffée, dites-moi. Je trouve que ça te va plutôt bien, cette petite coupe négligée. Politea est reliée au trône, elle ne peut pas nous suivre. Oui, mais eux, ils peuvent. Attrapez-les! Ne les laissez pas s'échapper! Il faut qu'on les sème! D'accord, les filles, on fonce vers cette grotte! Il faut viser la base de l'arche. Bien joué, les filles. Et maintenant, allons chercher Omnia. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas réussi à vous protéger de ces monstres. Oh, Omnia! Je vois quelqu'un qui arrive au loin! Ce sont les Wings! Les filles! C'est bon de vous revoir! Oh, oh. Omnia, que t'arrive-t-il? Les Trix et Tritanus sont venus nous voir! Il n'y a aucune raison de vous faire du souci. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Les Trix ont kidnappé Sky! Oui! Ils ont kidnappé Sky! Libéré ce Tritanus et sa mauvaise odeur! Réuni des troupes de mutants avec cette espèce de méduse mal fagotée! Emprisonné Sky à l'intérieur du trône et... S'il te plaît, Stella! Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh. Oh. Dis-nous ce que tu sais à propos de Politea! Sky est emprisonné dans ce trône et je ne sais pas du tout comment le sauver! Politea? J'aurais dû me douter qu'elle était derrière tout ça. Bloom, je suis vraiment désolée. Mais pourquoi Sky? Et qu'est-ce qu'elle vient de faire dans tout ça, les Trix? Politea et les Trix se servent de Sky pour libérer l'Empereur et récupérer la Perle des Abysses. Cette perle est l'un des plus puissants artefacts de tout l'océan infini. Une perle? Mais c'était à la mode l'an dernier, pas cette année. Oh, Stella, il y a tout de même des choses plus sérieuses que la mode. Si les Trix remettent cette perle à Politea, plus personne ne pourra l'arrêter. Elle deviendra plus puissante que l'Empereur lui-même. Super génial! On doit sauver Sky, après on sauvera l'univers. Et où on va trouver le temps de faire un peu de shopping dans tout ça? Nous avons des choses plus urgentes à faire, Stella. Les humains ont permis le retour de Politea en polluant les océans à travers la planète. Si elle détruit la perle, son pouvoir va s'étendre non seulement à l'océan infini, mais également à toutes les mers de la dimension magique. Non, pas ça! Tout sera pollué, ce ne sera que ruine et désolation! Hélas, oui, c'est son but depuis le commencement. Elle veut que Magix soit à elle seule. Quelle vilaine sorcière! C'est abominable! Alors dépêchons-nous de retrouver cette perle avant que les Trix ne le fassent! Elle a tout à fait raison. Je vais vous dire où elle est cachée. Et mes amis vous indiqueront le chemin le plus court. On va venir avec toi, Bloom! Super! Alors en route, plus une minute à perdre! Le danger est immense. Le récif qui protège la perle est redoutable et peut-être un piège mortel. Est-ce que je t'ai déjà dit que je détestais cet endroit? Vous n'avez pourtant aucune raison de le craindre. Ce récif s'ouvrira pour son souverain légitime. Ah.
vous direz que notre sorcière à l'odeur de poisson pourri s'est révélée utile. Chut. Bon. Il ne faut pas qu'ils vous entendent. Nous y voilà. Il est temps. Nous vous emboîtons le pas, mon empereur. Y a pas moyen d'accélérer? Cet endroit donnerait la chair de poule à un poisson. On dirait qu'il cherche à nous emprisonner ici pour toujours. Ne sois pas ridicule. Tout ira bien tant que nous resterons aux côtés de Tritanus. Oh! À bien y réfléchir, évitons de traîner dans le coin. Voilà. Eh bien, ça aurait pu être bien pire, non? Nous touchons au but. Allez, les filles, allons-y. On vient aussi, nous. Non, Serena. Vous avez pris assez de risques pour nous aider. Vous allez nous attendre ici. Si nous tardons à revenir, ou si vous voyez les Trix et Tritanus ressortir de cette grotte avec la perle, retournez voir Omnia et prévenez-la. Vous pouvez compter sur nous. Voilà, enfin. Waouh ! Est-elle aussi puissante qu'on le prétend ? Nous le saurons dans une minute. Tritanus ! Arrête ! Les Wings, elles sont partout. Nouveau. Et je te promets que ça se passera aussi mal pour toi si tu ne te rends pas tout de suite. Je serais curieuse de savoir comment elles ont pu trouver leur chemin jusqu'ici. Ça n'a plus grande importance maintenant. Elles ne sortiront pas d'ici vivantes. Et si on récupérait la perle pour nous seules? Nous n'avons plus besoin de ce Tritanus que je sache. Oh, voilà une excellente idée, ma sœur. La perle réagit uniquement à l'empereur. Laissez-moi vous montrer qui gouverne l'océan infini. Tritanus. Oh, vous m'avez emprisonné. À votre tour, le récif va devenir votre demeure pour une durée qui convient à votre traîtrise. En d'autres termes, pour toujours. Monseigneur, ne pensez-vous pas qu'il vaudrait mieux se débarrasser d'elles pour de bon? Elles ont toujours été très dangereuses et... Silence! Leur sort a été scellé! Je finirai par écraser cette vermine, mais d'abord je veux qu'elle souffre. Mais vous... vos désirs sont des ordres. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe? Tritanus est capable de contrôler le récif. Comment peut-on contrôler un rocher? Je ne sais pas, mais ce rocher ne va pas tarder à nous écraser. Et on fait quoi maintenant? J'ai bien peur que sortir d'ici ne soit pas chose facile. Alors trouvons une autre solution. On pourrait faire comme les dauphins. Quoi? Les dauphins utilisent un sonar pour s'orienter. Exact. Un sonar, ce sont des ondes sonores qui rebondissent sur les objets. J'avoue que je n'ai aucun mérite. Le son, c'est ma spécialité. Les Wings? Je vais avoir besoin d'un maximum d'ondes sonores, assez pour les rendre visibles. Mais oui, ça tient du génie. En collectant certaines données, je peux créer une carte holographique en trois dimensions à la fraction décimale près. Pekna? Oui? Tu te souviens que je te disais de parler en français pour qu'on te comprenne? Les filles, faut bouger. Ok, j'ai besoin que vous fassiez un max de bruit. C'est ça que vous appelez du bruit? Franchement, on se croirait à un concert de Justin Bieber. Hey, je suis fan de ce garçon. Tu veux du bruit? On va t'en donner. Ah.
Parfait, j'ai compris. Je pense qu'il existe une sorte de passage secret. Là, en dessous. Super. Alors ça, c'est génial. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je suis sûre que ces trucs-là sont toxiques, nuisibles, nocifs et tout un tas d'autres adjectifs étranges dont je ne connais absolument pas le sens. Ne t'inquiète pas, Stella. Je vais m'occuper de ces bestioles. Et voilà le travail. Dépêchons-nous. Excellent. Maintenant, mon pouvoir va être total. Tritanus, je crois qu'il est temps pour vous de nous donner cette perle. Oh, vous croyez? Pourquoi je ferais une chose pareille? Pour la même raison qui va vous pousser à ne pas vous asseoir sur le trône. Disons que c'est le moment de renoncer au pouvoir et d'abdiquer, mon empereur. Pour qui vous prenez-vous pour me parler de la sorte? Je ne crois pas que vous ayez vraiment le choix. Vous oubliez donc quel est votre rôle? En toute franchise, nous pensons qu'il est temps d'échanger les rôles. Maudite sorcière, je crois qu'il est temps de vous rappeler qui est le chef. On s'en moque. Vous allez voir si... Oh, bêtement pris par surprise. Vous croyez vraiment que votre tromperie suffira à m'arrêter? Vous arrêtez peut-être pas, mais vous enfermez sans doute. Vous allez voir. Je crois qu'il est temps de vous apprendre à respecter vos supérieurs. Vraiment? Je crains que les sorcières ne soient pas les seules à avoir besoin d'une bonne leçon. Non, sans blague, et vous êtes qui, vous? Disons, celle qui veut prendre votre place. Traîtresse! Depuis le début de cette aventure, j'attendais ce moment. Prends ça! S'il s'agit là de votre meilleur coup, préparez-vous à être anéanti, sorcière. La perle et son pouvoir sont à moi. Oh non, mon cher! Vous vouliez voir mon meilleur coup? Vous avez été servi! Et maintenant, la perle. Elle est à moi. Nous avons honoré notre part du marché. Oui, je dois admettre que vous avez tenu parole. Alors, et maintenant? Oui, on fait quoi maintenant? Maintenant, je respire le parfum de la liberté. Ok, mais tu nous avais promis le pouvoir de la perle. Oui. Oui, c'est juste, je vous l'avais promis. Sauf qu'il y a un petit problème. J'ai besoin de ce pouvoir. Et voyez-vous, le partager avec vous n'aurait aucun sens. Honte à toi, tu nous l'avais promis. Oh, et dire que vous avez eu la gentillesse de me croire. Tu vas voir à quel point nous sommes gentils. Arrête! Cette perle n'a rien à faire entre vos mains! Oh. Rendez-vous! Enfin, surtout toi, l'espèce de gluantine affreuse et puante! Je crois pas que le mot gluantine existe. Oui, c'est possible. Mais si c'était le cas, c'est à ça que ça ressemblerait. Oh. On te l'avait bien dit. Il fallait se débarrasser d'elle, mais tu ne l'as pas fait. La perle Politéa, il nous la faut, et tout de suite. Mais enfin, ici, tu avais vraiment imaginé que j'allais vous remettre cette perle? Pour une sorcière, excuse-moi, je te croyais moins naïve. Depuis le début, tu avais prévu de nous rouler dans la farine. Ça suffit! Oh! 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 Mutant, à vous! Éliminez ces fées qui m'ennuient, voulez-vous? Pendant que je prendrai soin de ce qui compte vraiment. Oui, tout de suite, maîtresse. Avec tout ça, je vais rater mon émission de télé-réalité. Si elle détruit la perle, elle va polluer les océans de magie, et Sky sera perdu. Il faut que je l'en empêche avant qu'il soit trop tard. Tu en es capable. On s'occupe des mutants et des Trix, et toi tu t'occupes de Sky. D'accord, faites attention. Allons-y. Vite! Il faut protéger Bloom! Flair de Lucky! Je l'ai eu! Celui-ci est à moi! Génial! Moi qui
qui croyait que les vieilles sorcières étaient passées de mode. Attrapez-les. Dégagez de mon chemin. Ça y est, elle est enfin à moi. Oh non, elle va polluer toutes les mers de la dimension magique. Papa, c'est quoi ça? Quelle horreur, du pétrole. Il faut qu'on l'arrête. Bloom, fais attention, elle est trop forte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettre toutes nos forces dans la bataille. Bon, allons-y. Protection virtuelle. Hé, pas si vite. Je te réserve encore une petite surprise. Face à Tritanus, elle a besoin de moi. Attention! Non! Donne-moi la perle! Jamais! Jamais cette perle ne sera à toi! Et je ferai tout pour la sauver! Trop tard! Arrange-toi pour qu'elle vise le trône! Non, Sky, ça peut être dangereux pour toi! Crois-moi. Quel que soit votre plan, je suis maintenant trop puissante pour des moucherons comme vous! Ah oui? Eh bien, vas-y! Tu vas le regretter, hein! Attention, Bloom! Récupérez cette perle! Allez! Je l'ai! Arrêtez-les! Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, Mia! On se rencontre à nouveau, Politéa. Tu ne m'arrêteras pas! Pas cette fois! La perle! Seul un cœur d'une pureté irréprochable peut restaurer l'équilibre. Mais... On s'occupe de lui, Bloom! Prends la perle! Merci beaucoup, mes amis. Les Trix, Tritanus! Arrêtez-les! Bloom! Allez-y, la voie est libre! Moi, cette perle, son pouvoir est trop grand pour toi. Sa puissance va te détruire. Encore cette vieille menace qui revient sur la table. N'importe quoi. Vous allez voir ce qui se passe lorsque six cœurs purs ne font plus qu'un. C'est inutile. Je vais vous vaincre une bonne fois pour toutes. Les filles, toutes ensemble. Oui, convergence. Sous-estimez pas.
Polythéa, c'est terminé. C'est impossible. Libéré, le trône lui a pris toute son énergie vitale. Il ne peut pas t'entendre, mon enfant. Ne t'inquiète pas, il s'en sortira. Je le sens. Bien sûr qu'il s'en sortira. Mais pour ça, il va falloir trouver un moyen de réveiller le beau au bois dormant. Avec un baiser? Oh, que c'est romantique, je craque! J'ai peut-être la solution. Bloom? Sky, te voilà revenu. Mais que s'est-il passé? J'ai fait un affreux cauchemar à propos de l'océan infini. Il y avait les Trix et Tritanus. Les Trix ont fui. Tritanus a été banni dans les oubliettes une fois de plus. Et la perle a retrouvé la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. On a réussi. Tu veux dire que tout ça n'était pas un rêve? Ça n'a jamais été un rêve. Mais tout va bien maintenant. Et toi, comment tu te sens? Bien, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Sky? Est-ce que tu as mal quelque part? Dis-le-moi. Non, non, c'est juste que je t'avais promis une journée à Gardenia et ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Ça non, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu as encore pas mal de progrès à faire. C'est bien qui finit bien. La perle a retrouvé sa place. Et l'équilibre a été rétabli. Il faut espérer que les humains ne commettent plus la même erreur. Chut! Vous ne voulez pas vous taire? J'entends absolument rien. Tu veux bien nous laisser discuter? Tu es ridicule. Ils sont vraiment trop loin pour entendre quoi que ce soit. Je rappelle à celle qui l'ignorait encore que je sais lire sur les lèvres. Elle lui a dit qu'il ressemblait à une grenouille. Je vois pas trop le rapport. Stella, c'est très mal élevé d'espionner ses amis. Il est hors de question que je manque ne serait-ce qu'une seule larme de leur retrouvaille. Non mais vous rigolez, je me prépare à cet événement depuis notre retour. D'ailleurs, j'ai confectionné pour l'occasion ce mouchoir en forme de cœur. Non mais j'y crois pas, tu ne changeras jamais. Pourquoi voulez-vous que je change? Si tout le monde avait ma classe! Tu disais? Qui a la classe? Les mouchoirs, c'est plus trop la mode. Vous savez ce qui est à la mode peut-être? C'est un mouchoir fait main et il a une classe folle. Hein? Kiko, c'est gentil. Tu sais bien, moi les glaces, ça me fait fondre. Sentira, quittons ce monde maintenant. Viens.
nous.